Jean-Charles Collas, vous êtes le premier vice-président de la métropole de Lyon. Vous venez de vous déplacer ici à Givors. Comment est-ce que la métropole aujourd'hui aborde la question des déplacements et des transports ? La métropole veut absolument réduire le nombre de voitures qui circulent dans la métropole et pour ça, elle doit offrir des alternatives. Et en particulier, quand on est sur des longues distances, des transports en commun efficaces. Donc c'est bien sûr le réseau de bus, mais c'est aussi le réseau de train. Sur Givors-Lyon et toutes les villes qu'il y a entre Givors et Perrache, on est dans la métropole, donc on veut développer un système de train efficace pour aller rapidement de Givors jusqu'à...